Bienvenue à la librairie pour tous ceux qui peut-être qui connaissaient ou qui ne connaissaient pas. En tout cas, ravi de voilà de revoir des visages amis, les visages que sont les amis que sont Michele Canonica et Paolo Romani, respectivement président et vice-président de l'école de la Dante Alighieri, du comité de Paris de la Società Dante Alighieri. C'est Michele qui m'a demandé, Michele et Paolo qui s'est joint à lui, de faire cette présentation à la librairie, donc de la poésie, ce qui nous arrive relativement rarement, il faut bien le dire quand même. On est toujours ravis de recevoir de nouveaux poètes. Et alors là, c'est du last minute, mais c'est très bien. Pierre Santini, qui est là aussi. Je ne sais pas si tu étais déjà venu, Pierre, à la librairie. Ben voilà, bon, ben merci, Laura, de nous avoir amené. Là où mes pommes, là. Voilà. Nous avons ramené Pierre Santini, qui doit partir parce qu'il est attendu à la Comédie française. Et donc, il nous a fait l'amitié de passer. Je suis très, très touchée. Même si c'est pour peu de temps, mais c'est vraiment charmant. Et puis surtout, c'est parce que c'est un endroit merveilleux ici. Il y a plein de choses qui se sont passées. Je me souviens encore quand notre ami Mario Monicelli est venu. J'en ai un souvenir très, très fort. Et Florence est vraiment une personne extraordinaire. Trois signatures la semaine dernière, mais vous vous rendez compte de ce que c'est comme temps pris, à part le temps donné pour la librairie, c'est quelque chose de magnifique. Alors merci à Florence et à son assistant. Et puis voilà, bien sûr, à Michele et à Paolo. Ce sont des amis de longue date. Nous avons déjà eu l'occasion depuis des années de se voir et de travailler. Enfin voilà. Merci. Voilà. Merci. Donc, à vous moi tous aussi, je tiens à remercier Florence Rowe. Moi, je tenais à dire simplement que la littérature est la vocation première de la Dante. J'ai le grand plaisir de connaître Laura Minnelli depuis plusieurs années, je ne dis pas combien, mais de toute manière, disons un certain nombre non négligeable d'années. Et j'ai toujours beaucoup apprécié, beaucoup aimé son travail, non seulement de poétesse, mais aussi d'auteur de textes pour des chansons et même de textes pour le théâtre. Elle a fait des tournées dans différents pays et donc elle a suscité l'intérêt et les applaudissements de publics très différents, toujours proposant son équilibre assez magique entre la langue italienne et la langue française, entre sa langue d'origine et la langue de son pays d'adoption. Par conséquent, c'est un auteur très intéressant, un auteur qui nous propose ce qu'elle ressent, qui est très spontané, mais d'une spontanéité assez travaillé, assez étudié. Donc, vous connaissez peut-être une phrase d'un écrivain italien que j'aime beaucoup, Beppe Fenoglio, lequel disait « Chaque phrase, la plus insouciante de mes phrases, naît après des dizaines de nouvelles versions. » Donc, je travaille beaucoup pour obtenir comme résultat le maximum de spontanéité et la communication la plus directe possible. Voilà. Ce soir aussi, elle va nous lire ou même nous réciter des textes qu'elle connaît par cœur, et en italien et en français. Mais là, je cède la parole à Paolo Romani, lequel est un fervent admirateur de Laura Minnelli et également est à mes côtés pour la réalisation de ce site web L'Italie en direct qui réunit tellement de visiteurs à cheval toujours entre la culture italienne et la culture française. Je voulais dire avant, nous avons la chance d'avoir avec nous Pierre Santini, oui, qui est une voix remarquable. Alors, il doit partir parce qu'il a un rendez-vous. Mais peut-être qu'il aura le temps de lire un bref poème, parce que voilà. Alors, lui laisse ma phrase. Voilà. Vous m'excusez, c'est un peu comme cavalier ça, ce voilà que je fais, mais... Non, mais comme ça, ça donnera... Le théâtre n'attend pas, paraît-il. Le monde
n'a jamais eu autant besoin de poésie. L'univers n'aura jamais assez du souffle profond de ton amour, de tes doutes, de tes bras, de ta voix, du clavier de tes mélodies, encore insoupçonnées à force de peur, d'habitude, de leurre et de servitude. C'est pour tromper ta maîtresse solitude que tu demeurais si loin de toi, pour bluffer la tristesse désespérance, tu passais si proche de l'interminable errance, plus d'effroi. C'est de ton noir obscur qu'avec patience surgiront les forces apaisées de demain. La vie a toujours raison dès lors que l'on croit en soi. Le plus beau poème est celui qui attend patient l'éveil de ton monde. Écoute, déjà frissonnent d'étranges ondes à la source de ton regard. La mort, le soleil se lient, tu enfantes déjà quelque peu hagard. Une once du grand tout, un grain de poussière, et découvre au seuil de l'âme ce cœur, au centre de l'abîme renaissant, que nous ne sommes ni n'avons de réponse. Est-ce donc cela que l'amour ? Oui. Merci beaucoup. Est-ce donc là que l'amour ? Alors, j'ai toujours considéré Laura comme une... comme un personnage très intéressant, parce que c'est un personnage qui est vraiment multiforme. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle nous dise un mot de ça, comment gère-t-elle ses différentes activités, ses différents intérêts. Elle écrit, elle est poétesse, mais elle est aussi actrice, peintre, musicienne. Elle a écrit des textes de chansons, elle a, je crois, écrit une pièce de théâtre. Oui, ça va être publié. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'elle nous dise quelques mots sur comment elle gère ses différentes activités. Quant à la poésie, j'ajoute que les titres de ce recueil de poèmes sont assez extraordinaires, parce que ce sont un peu des jeux de mots, n'est-ce pas ? Il y a par exemple « L'État et moi », mais « et moi » écrit « E » accent aigu « M-O-I », « L'État et moi », n'est-ce pas ? Et il y a aussi le « Silence à deux voix ». Alors, comment est-ce que deux voix peuvent faire du silence ? C'est quand même voilà, assez étonnant. Et puis, alors, peut-être que ces deux voix ne sont pas vraiment silencieuses, mais elles s'expriment peut-être sotto voce. Sotto voce, voilà, autre titre de, voilà, d'un livre de Laura Minnelli, un autre recueil de poèmes de Laura Minnelli. Sotto voce. Voilà. Alors maintenant, Laura Minnelli va nous lire, nous parler un peu d'elle et nous lire quelques-uns de ses poèmes. C'est-à-dire que... Vous avez tellement parlé de moi que là je suis... Non, mais simplement... J'ai eu beaucoup de chance, je dois dire, dans ma vie, parce que j'ai rencontré des personnes merveilleuses, hein, ou deux déjà. Et une chose a suivi l'autre, et puis oui, on peut peut-être faire asseoir les personnes. Oui, justement. C'est sans problème, hein, oui. Et donc voilà, j'ai... Évidemment, j'ai fait de la musique, donc une chose amène l'autre. Les personnes étaient toujours, il y en a un d'ailleurs, hein, qui, petit à petit, il y avait des encouragements à faire des tas de choses. J'ai chanté, j'avais écrit une chanson. Je suis allée au studio pour la faire enregistrer par une chanteuse. J'ai coaché la chanteuse. La chanteuse ne plaisait pas au musicien qui avait fait la musique. Et il m'a dit, écoute, chante-la-moi parce que je n'en peux plus. Je l'ai chantée, cette chanson, elle est en train de faire le tour du monde. Elle s'appelle Parla, mais elle est en italien. Mmh. Ce qui me rend très heureuse, évidemment, parce que quand même, c'est l'Italie. Je pense que j'amène l'Italie très loin. Quand je reçois mes droits d'auteur, je regarde ça, je dis, mais c'est pas possible. Alors, nous aimerions vraiment que Laura Minnelli fasse un choix. Là, j'ai trois bouquins entre mes mains, ouais. mais elle connaît par cœur aussi une partie de ses poèmes. Et je crois que le public qui est réuni ici et également les visiteurs de notre site seraient vraiment curieux d'entendre sa voix. Alors, puisque nous sommes à la veille de Saint-Valentin, et qu'il y a des amoureux ici, j'en vois quand même. Et voilà, je vais dédier ça aux amoureux, parce que l'État et moi, c'est une chose, comme Paolo l'a
venu. C'est un état qui vous suit peut-être toute votre vie. Et l'état amoureux, c'est quelque chose qui vous fait voir les choses vraiment en grand, disons, en duplicata, n'est-ce pas? Et donc voilà. Alors, j'ai un poème dont je me souviens qui s'appelle I Remember, justement. La sonnerie du téléphone me sortant du sommeil. Ta voix. Tu me dis que tu es en bas. Je m'entends te répondre à travers la tumulte de mon cœur qui bat fort. Je me lève, je m'habille, je vais vite à ma porte, le cœur qui s'emporte. J'ouvre, j'entends ta voix. Déjà, tu es là. Tu me prends dans tes bras. Ton cœur bat fort. Ta voix. Tu as couru les 5 étages, tu es en âge. Je m'affaire autour de toi comme une mère. Je rencontre tes yeux. Fourbus du sommeil manquant, ils ont la couleur du soleil levant. Je te propose un café. It's okay. Tu t'assois en attendant, me regardant juste là, où personne n'irait. Et comme toujours, je fais et je vais. Et alors, te voyant, je plonge vers toi. Tu m'ouvres les bras et les refermes autour de moi. Mon corps s'efface. L'âme prend toute la place. Je réalise le temps qui passe. Tu m'embrasses. Je sens par ta main les creux de mes reins et ta voix caressant mon oreille. Mon corps se réveille. Je te donne une étoile au matin levant. Tu t'en vas, tu l'emportes, tu m'exhortes, me laissant à ma porte mon espoir vivant. Ça, c'était pour les amoureux. C'est un délice que d'écouter la vive voix du poète qui récite ou qui lit ses propres poèmes. C'est une émotion extraordinaire. Mais, bien sûr, on ne va pas se contenter d'un seul poème. Non. Ce que je voudrais dire, c'est que dans ses poèmes, Laure parle beaucoup d'amour. Mais pas seulement d'amour, il y a, je pense, à quelque chose qu'elle m'a montré tout à l'heure, qui est l'indice d'un certain engagement de sa part. Elle a écrit, il y a un texte sur la solidarité. Ça s'est présenté, on m'a demandé, et je me suis penchée sur la chose. Et le Régis de la Roulière, il tenait beaucoup à faire ce projet. Parce qu'il a dit solidarité d'aujourd'hui, fraternité de demain. Voilà. Donc pour lui, c'était très important. Alors, il y a beaucoup de personnes là qui ont dit ce qu'ils pensaient. Et puis, il m'a demandé à moi de faire un poème. En fait, c'est le seul poème qui m'a souligné. Oui. Perle de pluie sous mon perchée, je prononce la parole au présent parfait. Solidarité. C'est la réponse à l'existence. Allant au-delà de l'indifférence, elle s'applique en tout lieu, en toutes circonstances. Perle de pluie de l'humanité. Elle ne s'explique pas. Elle est. L'univers est si parfait. Nous ne sommes pas d'ici. On nous a offert ce voyage sur Terre. Je l'ai accepté en étant solidaire. J'ai construit l'amitié pour qu'au moment de partir, je puisse emporter de bons souvenirs. Non. Moi, j'aimerais écouter à ce point de notre conversation quelque chose en italien. Voilà, alors tu vois, j'avais écrit cette silence à deux voix. Est-ce que le silence à deux voix peut exister, comme il a dit Paolo? C'est vrai que c'est. Moi, je dis que oui, tout à fait. Et je pense que ce petit bouquin de rien du tout, on est la preuve. Et d'ailleurs, nous avons choisi ce symbole, c'est le symbole du silence. Voilà. Avec plein de petites choses comme ça qui circulent. Alors, regardez comme ils sont coquets, ces marque-pages de plusieurs couleurs. Là. Vous êtes tous bilingues là ou pas? Non, il n'y en a pas. Alors peut-être que quelqu'un veut lire en français. Moi je lis en italien. Je ne suis pas Pierre Santini, je lis assez mal, mais peut-être. Oh,
vivre en Italie. Quelle surprise! Alors là, c'est vraiment la série sur les gâteaux. Vite, s'il te plaît. Mais je ne comprends pas bien l'italien. Non, mais là, je te fais lire en français et moi, je lirai en italien. Voilà. Je le lis en français. En français et moi, je le lis en italien. Dans l'indifférence, je m'étais glissé pour être à l'abri de ne plus aimer. Dans l'indifférence, comme une malade, je ne voyais d'autre chance pour soigner la souffrance. Dans l'indifférence, du moins en apparence, pour semer et récolter, il ne fallait pas trop aimer. Dans l'indifférence, quand on y est arrivé, on perd tout le sens de la vie, la vraie. Vous avez bien écouté cette merveilleuse voix. Nell'indifferenza ero scivolata per essere al riparo di non troppo amare. Nell'indifferenza, come in malattia, non c'era altra via per curare la sofferenza. Nell'indifferenza, almeno in apparenza, per ricevere o seminare, non si doveva troppo amare. Ma nell'indifferenza, quando ci si arriva, si perde tutto il senso della vera vita. On peut reprendre l'histoire de la solidarité peut-être avec ce texte-là. C'est mieux en italien, je trouve. Voilà. Non, franchement. Et en fait, oh Victor, merci. C'est mieux en italien. C'est au nom de la rose que tu m'as offerte un jour avec trois brins de muguet pour me dire ton amour. Au nom de nos regards muets, de nos émois parfaits, de nos rêves perdus, de nos espoirs déçus. C'est au nom de la vie que toujours crie jeunesse. Et lui court après, refusant la sagesse. Au nom de ce retour que l'on ne peut pas faire, revenir en arrière, non, aller au-devant seulement. C'est au nom des pluies qui amènent l'arc-en-ciel et des sombres nuits, la lumière des étoiles. Et au nom de cette vérité plus ou moins ajustée, je t'aime toujours parce que je t'ai aimé. Je pense, je ne sais pas si vous voulez encore entendre quelque chose. Mais si, tout. Alors, cœur rebelle, corps frêle, tu te bats des plus belles, mais ta saison est telle. Tu voudrais revenir aux joies, souvenirs, tu ne cesses de grandir, mais sans te voir vieillir. Alors pourquoi? Quoi faire de ces cœurs solitaires? Faudrait-il lui extraire ses rêves, ses chimères? L'avenir serait derrière? Que la vie semble cruelle, alors que tu la vois si belle. Tu ne cesses d'admirer la lune, les étoiles, corps rebelle, corps frêle. C'est peut-être pour cela qu'autant tu remercies le ciel. Mais je comprends l'italien. Hein? Non, ça, c'était pas un italien. C'était pas un italien. Non, un peu d'italien. D'abord, là, je vois qu'il y a... Neve a Parigi. Neve a Parigi. Voilà. Neve che scende. Neve, c'est la neige, pour ceux qui ne le savaient pas. Bon. Hein? Farfalle che danzano al cinguettio dei passerotti. Silenzio spesso di un sabato al mattino. Nessun rumore giunge dalla città, nemmeno da lontano. Parigi sembra sia ancora addormentata, come presa da un incanto. Più tardi uscirò per ammirarla tutta vestita di bianco. Alors, on traduit comme ça, mais bon. Vous avez bien compris? Oui, oui, oui. Quel est le pays, le contexte où tu as trouvé un public le plus sensible à ta poésie? Sans aucun doute, au Québec. Au Québec. Ah, ah voilà. Ça, le Québec, il est dans mon cœur, vraiment. D'ailleurs, il faut faire... Pour les 14 février, ils ont l'habitude de faire au monument des poètes, ils ont fait des monuments. Il y a une ville qui s'appelle Trois-Rivières, il n'y a que des rues avec des noms de poètes. Donc on se repère comme ça, des poètes très connus bien sûr, plein de jeunes et tout ça, ils jouent de la musique, il y a beaucoup de bruit, ça boit, ça mange et tout ça. Et puis tout d'un coup, on annonce qu'il y a un poète qui va dire une poésie, alors là... On ne sent plus la mouche, elle se calme, on ne l'entend plus voler, c'est vraiment très extraordinaire. D'ailleurs, j'ai un poème que j'ai fait sur... En fait, c'est les voyages, oui, je perds le fil. Michel le sait, parce qu'on travaillait ensemble à la radio, et il fallait qu'il me remette souvent sur les rails, parce que autrement, je... Voilà. Art canadien, voilà. Les soleils doivent des vents, même sens que la terre, en traverse l'océan, en laissant la nuit derrière.
heure par heure, on avance. Je sens croître mon impatience. L'avion métallique et indifférent fait route vers l'autre continent. Sur l'écran, je suis son plan. Puis je retourne à la lumière qui s'affiche dans les ciels clairs. Comme un chemin tracé aux nuages, marque d'un passage nous précédant. S'agit-il d'un autre oiseau d'argent? Regardons bien, je l'aperçois. Il semble très proche, juste devant. Est-ce bien réglementaire? Mes yeux s'en retournent à l'écran, lumière qui clignote sous le plan, presque à la hauteur de la côte. Mon cœur s'accroche. On approche, on approche. Regard en bas, dans mon hublot, où se dessine sous mes yeux le fleuve Saint-Laurent et trois rivières. L'envie me prend de crier terre. La map m'apparaît des plus claires. Parmi toutes celles que j'ai étudiées, suis-je encore en train de rêver? Voilà, ça c'est un petit aperçu de, oui, du Québec. Oui. Voilà, donc on a écouté plusieurs poèmes. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier poème que tu aimerais proposer à notre public? Oui. Deux petits derniers. Oui. Deux petits derniers, peut-être. Deux petits derniers, mais bien sûr. Derrière toi, résonance de tes pas puis des miens, je viens. Devant toi, le chemin qui nous mène tout en haut, tu verras comme c'est beau tout là-haut, au sommet. Devant nous, la montagne. Tu t'assures de mes pas, là, puis là. Oui, bien à plat. Tu vois? Non, tu ne glisseras pas. Tu me donnes ta main, ferme, solide. Elle me soutient, me guide. C'est la vie qui va, résonance de nos pas. Quelquefois, tu t'arrêtes, me prends dans tes bras. Court un instant, ce bonheur de l'enfant qui revient. Regarde, derrière nous, le chemin parcouru. Tout en bas, la lumière. Mon enfant, que tu es grand, tout petit, c'était hier. Maintenant, tu me dépasses. Je me sens minuscule quand tu m'embrasses, mais là je te revois comme autrefois, de haut en bas. Et tes grands yeux me regardent, de bas en haut, confiants, rassurés. Nos rôles ont changé. Mon regard se perd dans le tien, tu me souris, tout s'éclaircit, et doucement. Maman, ça va? Oui, mon chéri, merci. Domi, blanc, bleu, gris, Domi. Blanc, bleu, gris, et tu ris. Le soleil se cache, puis revient sans tâche. Les nuages qui roulent à gauche, coquine. Tu t'exposes, Domi, câline. Tu composes, Domi, féline. Tu t'imposes, Domi. Le soleil se cache, puis revient sans tâche. Toi aussi, Domi, tu arrives jusqu'ici avec du blanc, du bleu, du gris, et tu ris. Domi. Grazie, grazie, Laura Minelli. Grazie, merci beaucoup, grazie. Parlami, dimmelo che c'è, asciuga le tue lacrime per me. Parlami e dimmi cos'hai con me, felice tu sarai. Ti capirò